Bonsoir tout le monde et bienvenue sur channel Blandi Info Sport pour une autre vidéo. Dans la vidéo ça nous parlons pour nous parler de toute actualité qui a dominé football. Jeudi mercredi 6 juillet 2022, Barcelone t'est présenté Franck Kessié officiellement comme un joueur équipe FC Barcelone. Dans l'occasion ça, la Polta t'est prend la parole. Il dit bienvenue Franck Kessié. Moi satisfait parce que moi signé lui. Un milieu de terrain qui vraiment professionnel. C'est un joueur qui devait venir ici. Nous vraiment voulons le type de joueur ça. Moi, je voulais remercier agent Lian aussi. Moi, très confiant qu'il y a pas heureux dans le club là. Bravo avec Hordi et Matero à toute équipe là. Zavi demandé nos caissiers en premier et nous accompli des Iliens. Il continue pour le dire. Activer deuxième levier économique là, pas facile. Mais, n'a pas travail. Quand nous atteignons, n'a pas réglé toute bagaille. M'pas capable de dire combien de signatures nous pourrons réaliser. Mais ça que nous pourrons faire, c'est renforcer l'équipe là pour rendre plus compétitif. L'idée parle tout de Frankie de Jong qui est capable de jouer en équipe Manchester United là. Là, on pose la question, il répond, Frankie de Jong pas pour vendre. Nous pas voulu vendre. C'est sauf si cas t'a dépassé nous. L'idée parle tout de dossier Ousmane et Dembélé. Il répond, il dit, pas aucune date précise qui t'est fixée pour renouvellement contrat Dembélé. Pour le moment, il n'y a pas un joueur équipe FC Barcelone. Mais, il y a une offre qui est faite avec elle par intérêt sportif, il te répond. Pour le moment, il n'y a pas accepté, mais il n'y a pas rejeté non plus. Il te parle tout de un dossier qui est très sensible, qui est le dossier Cristiano Ronaldo qui a annoncé en l'équipe là. Eh bien, la qualité te répond. Moi, j'ai dîné avec Jorge Mendes, qui est agent Cristiano Ronaldo. Mais nous t'ai parlé de marché transfert là en général. Moi pas te faire référence avec un joueur en particulier. Ni tout m'pap ka di dès qui je t'ai parlé dans la réunion avec Jorge Mendes. Voilà donc réponse John Napolita là où t'ai posé la question sur plusieurs questions qui a fait actualité en de équipe FC Barcelone. Pour Journal Sport, ça chauffe entre Bayern Munich et Robert Lewandowski. Alors que Polonais est capable pas présenter dans reprise entraînement avec un club allemand. Eh bien, Bayern Munich est capable de sanctionner Robert Lewandowski. Direction bavaroise a réfléchi pour sanctionner financièrement s'il n'a pas présenté dans l'entraînement. Serial Bitéon a dû payer une amende de 1,8 million d'euros à 3,6 millions d'euros si toutefois il n'a pas présenté dans l'entraînement avec l'équipe Bayern Munich là, sur le journal sport dans le pays Espagne. C'est désormais officiel, Axel Witsel, les rejoint l'équipe Atlético de Madrid là. Axel Witsel, qui fête le 12 janvier 1989, lycée un nouveau joueur équipe Atlético Madrid, là, après un accord qui joue entre deux parties, et bien finalement, et Axel Witsel, lycée un contrat pour une saison en équipe Atlético de Madrid. Là. Selon Journal Sport, Samuel Umtiti pourra engager lui avec équipe Stade Rennais sur une forme de prêt avec une option d'achat. Barcelone pourra le prendre en charge une partie dans sa ligne. Voilà donc, c'est le journal sport Samuel Umtiti, lui sur route pour jouer en équipe Stade Rennais dans le pays de la France. D'après information et journal Sky Sport Italia, Zlatan Ibrahimovic, actuellement qui blessé jusqu'à la fin de l'année 2022, lui trouvé un accord pour prolonger pour une saison avec l'équipe Milan AC. Lui pourra bénéficier d'un salaire fixe qui pourra être inférieur à ça qu'il a touché actuellement, qui pourra être environ 1,5 million d'euros par an. Eh bien, il pourrait capable de bonus qui lié avec ça et ça, si toutefois il marque goal ou bien délivre passe décisive. C'est le journal là, une officialisation t'a fait dans le prochain jour qui va venir là. Alors c'est le Sky Sport Italia, Zlatan qui pourra le prolonger en équipe Milan AC. Alors que Manchester United commence avec préparation estivale, Cristiano Ronaldo jusqu'à présent poco présenté dans l'entraînement, c'est le journal et Gold. Ça fait troisième fois Ronaldo pas présenté dans cet entraînement et Poco averti direction date qu'il a fait retourner. Cependant, selon le journal As, il y a 5 clubs qui favoris pour Cristiano Ronaldo ta aller. Premier club là, c'est Bayern Munich. Malgré démenti qui porté par directeur sportif bavarois qui c'est Hassan Salihamidžić, journal espagnol a affirmé que contact entre club allemand et portugais toujours qu'un B. L'autre porte de sortie pour Cristiano Ronaldo, c'est à Londres, en de équipe Chelsea. Nouveau propriétaire là, qui c'est Todd Boehly, lui fait connaître avec Jorge Mendes, qui c'est agent Cristiano Ronaldo, qu'il souhaitait réaliser un gros coup pour premier mercato et malgré réticence Thomas Tuchel. Troisième option, c'est FC Barcelone.
La Polta lui-même, selon le journal, est déjà tenté de rapatrier li dans la Liga, ça qui gagne un an d'après le journal Sport. Deux dernières options ont trouvé en Italie. Et visiblement, le président De Laurentiis lui-même voulait tenter quelque chose pour Mercato estival avec l'équipe Naples et non Cristiano Ronaldo cité. Enfin, c'est José Mourinho lui-même qui a aimé collaborer à nouveau avec l'ancien protégé lien qu'il était entraîné dans l'équipe Real Madrid. Là. C'est le problème, là, c'est parce que AS Roma lui-même n'est pas pour jouer la Ligue des Champions. Dossier Frankie de Jong vraiment compliqué en équipe FC Barcelone. Journal Marca fait le point sur évolution contrat Frankie de Jong en équipe FC Barcelone. Barcelone qui est handicapé par une situation financière qui est très compliquée. Frankie de Jong qui contrat apprend fin en équipe Barcelone jusqu'en juin 2026. Frankie de Jong pour le sens toucher un montant de 88,58 millions d'euros en termes de salaire fixe plus prime de fidélité pendant 4 prochaines années en équipe FC Barcelone s'il était. À partir de saison 2022-2023 et jusqu'en 2025, salaire fixe pourrait passer de 9 millions d'euros à 18 millions d'euros annuels. Ensuite, il pourrait passer à 19 millions d'euros pour saison 2025-2026. Concernant prime de fidélité, il pourrait toucher environ 2,81 millions d'euros en 2022-2023 et 9,7 millions d'euros saison suivante et 3 millions d'euros pour dernière année de contrat liant. Et ensuite, bonus qui lié avec victoire en Liga, Ligue des Champions et en Coupe du Roi, 4 primes réparties de manière identique pour 4 prochaines saisons. Yo. Si Barcelone arrive dans la finale Ligue des Champions, il y a bail Frankie de Jong 1,2 million d'euros. Si on gagne, il y a bail 1 million d'euros en plus. Enfin, 750 000 euros si on gagne Liga et 250 000 euros pour une victoire en finale Coupe du Roi. Au final, Frankie de Jong est capable de toucher jusqu'à 12,8 millions d'euros de bonus jusqu'en 2026. Dans le meilleur des cas, au total, c'est donc une facture potentielle de 101,38 millions d'euros que Barcelone a dû régler avec Frankie de Jong. Un dossier qui paraît vraiment compliqué et d'après un pile journal, c'est ça que fait la Polta lui-même, t'a voulu débarrasser lui avec Frankie de Jong.